Coucou tout le monde, bon matin, on est samedi. Okay. Il est 9h48. Alex et Charlie sont partis à son cours de gym. Les autres vont pas au petit poids. Les autres, oui. Ben non, 4. Tu peux en mettre 4 les autres. Ok? Ouais. Viens mettre 3 au cours d'amitié. Ok. Mets-les là. Voyons, moi, tu fais par parler un jour. Il est 9h45, puis ce matin, je me suis levée et j'étais vraiment, mais vraiment, 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 affamée. Genre, j'avais tellement faim, je vous jure, là, j'avais vraiment, vraiment faim. Fait que j'ai dit, allez, moi, un matin, je déjeune, parce que j'aurais pas eu un mal de tête, j'avais vraiment faim, là, puis... Dites-moi pas que j'aurais pu boire de l'eau, je sais, là, ça fait un petit bout là, que je pratique le jeûne à tous les jours, puis je me connais, je le sais, quand j'ai faim, vraiment faim, puis quand j'ai juste comme, tu sais que ça va passer, mais là ce matin, j'étais affamée, je comprends pas pourquoi, comme ça, hein? Fait que j'ai déjeuné, je me suis fait un déjeuner normal, là, mes deux œufs, tranche de pain avec du fromage cottage, c'était bien bon, mais d'après moi, j'aurais pas faim pour dîner à cause de ça. Mais c'est correct parce que cet après-midi, on va aller chez mes parents. On va souper là ce soir. Puis c'est rare, mais on est supposé être juste nous. Mon frère vient pas avec, avec sa gang. Il va juste avoir nous. Puis en plus, Charlie, je pense qu'elle va aller faire dodo chez ma voisine parce que sa petite fille descend. Donc on va être juste nous trois. Puis honnêtement, je pense que ça va être vraiment le fun parce qu'Eliott, quand il est tout seul, il est tellement tranquille. Il est tellement gentil. Puis là, il va avoir sa mamie pour lui tout seul. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Fait que je pense que... ça va être une belle soirée. Puis si j'en viens aussi, ça va être une belle soirée. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais je pense que ça va être plus relax si on est juste nous trois. Puis si j'en viens, ben, elle viendra. Puis ça sera juste plus énergique, c'est tout. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai mes billets pour la lutte. Ils sont achetés, ils sont ici. Alex les a imprimés. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point... j'ai capoté ma vie quand mon ami Marc-José m'a envoyé un message pour me dire que il y avait une prévente pour les membres Evenco. Fait qu'elle m'a envoyé le lien à jeudi, à la place de vendredi. Fait que jeudi, 10h, je commandais mes billets. Ouais, c'est beau. Je commandais mes billets. Je vous dis, j'étais tellement sénère parce que là, ce qui est arrivé, c'est que ma carte de crédit fonctionnait pas. Imaginez-vous donc, je capotais. Alex m'a dit par après que c'est parce que je l'ai pas utilisée depuis que je l'ai reçue. Ma carte, elle expirait en début janvier. J'ai reçu une nouvelle carte, je ne l'ai pas utilisée depuis. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Puis, fait que ça ne marchait pas, mais moi, je n'ai pas catché. Puis là, la façon c'est fait. Il y a comme un compte à rebours. Puis si tu dépasses ce compte à rebours-là, il te renvoie dans la salle d'attente. Puis là, tu perds tes places. Puis là, il te redonne d'autres places. Pis moi, j'avais sélectionné d'avoir les meilleures places dans telle section, tu sais. Que ça marchait pas. Fait que là, j'écrivais à Alex en même temps, puis Alex était à la job. Puis là, je dis, ça marche pas ma carte, Alex. Puis là, il me donne un autre numéro de carte. Là, je copiais-coller. Ça marchait pas. Puis je sais pas pourquoi ça marchait pas. Finalement, on a réussi. J'ai réussi avec la deuxième carte à Alex. On comprend pas, là. Nos cartes, elles sont très bonnes. C'est vraiment pas un problème que je passais pas au crédit, là. Ça va, mes cartes sont bien correctes. Puis ça marchait pas. Là, moi, j'étais trop stressée, puis je faisais une erreur à quelque part. On dirait que je pleure. Non, c'est parce que maman est juste bien poquée. Puis, c'est ça, j'étais vraiment énervée. Puis là, Eliott était après moi. Puis je dis, non, non, Eliott, attends, faut que je commande mes billets. Puis, en tout cas. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir mes billets. 3 billets. On est dans la section 119. Qu'on voulait... moi, personnellement, j'aurais vraiment pris comme des billets sur le côté. Mais c'était des billets qui montaient quand même vite. Là, genre, on aurait atteint facilement le 100 quelques dollars. Puis on est deux. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis moi, Alex, il voulait pas vraiment venir, il vient pour me faire plaisir, puis pour faire plaisir à son ami, puisqu'on y va avec son ami. Mais c'est à base, lui, la lutte, s'en fout. Hein? Ah ouais, ok. Fait que, on a pris des billets dans la section 119. Dans le fond, t'as le ring ici, il y a du monde assis à côté, il y a du monde assis ici, ici. Puis moi, je suis assis là, c'est rangée B, dans la section 19. Fait que c'est quand même, je pense que c'est quand même pas si pire comme billet. Ça vous a coûté... mais c'était 40 quelques dollars du billet. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis, je pense qu'on va être quand même bien placé. Ouais, cool. Je pense que c'est quand même pas mal les meilleurs billets pour cette section-là, mettons. T'sais. Fait que,
De toute façon, moi, juste d'être là, là, je suis vraiment, vraiment contente. Puis là, tout le monde me dit, ouais, mais si Roman n'est pas revenu, ben ça me dérange pas là, qu'il soit pas revenu, Roman. Comme je vous disais, autrefois, je suis vraiment une fan de lutte. Fait que moi, juste d'être là, c'est un show qui va être télévisé, puis de voir comment ça se passe autour, puis d'assister à ça. Je suis tellement heureuse, vous n'avez pas idée comment je suis heureuse. Fait que c'est le 15 avril. Le 15. Ouais, 15 avril, si je me trompe pas. Oui. Eugénie, elle sera pas chez Mélisiane, non. Juste nous. Juste nous. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, je m'en allais. Ah, j'ai mal au coccyx. Parce qu'elle peut pas venir. Là, je m'en allais faire ça. Mais essayer de faire ça. C'est des Oreo maison qui sont dans le dernier 5-15. C'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. Mon Dieu, je t'ai soufflé. Puis, je vais essayer. Je l'ai posé à ma mère, j'allais essayer de faire des, ben, un dessert parce que je manque tout le temps mes desserts. Je suis pas bonne de faire des desserts, j'en fais pas souvent, puis ça paraît. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire ça, drette l'eau, parce que c'est ça. C'est genre le temps de tout préparer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Puis, c'est ça, là. Fait que, on va commencer ça tranquillement, pas vite. Après ça, je vais me préparer. Bonne journée! Ok, je capote, ça fait une éternité que j'ai pas cuisiné avec de la cassonade, de la farine blanche, du sucre à glacer. Puis là, je fais juste regarder ça, je me dis, Seigneur Dieu. Ouais. Fait que dans le fond, il faut une tasse et un quart de cacao, une tasse et demie de farine, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, une tasse de beurre à molly. Ok. Une tasse et demie de sucre, une demi-tasse de cassonade. Il faut aussi deux œufs, un entier et un jaune. Ensuite, il faut de la vanille. Trois tasses de sucre à glacer. Ah! Puis, encore de la vanille. OK. Là, je vais dire comme Alex dit, c'est un cadeau spécial, c'est un souper. J'aurais pu trouver quelque chose de plus santé que ça. Mais je sais que mes parents sont à, font très attention eux aussi, puis ça va peut-être leur faire du bien, une petite douceur. Puis je vais en donner à la voisine aussi, parce que ça donne 25 à 30 biscuits. Soit je vais faire plus gros, ou je vais faire de ces grosseurs-là, puis que je vais en donner, parce que c'est clair que je vais reprendre mon 50 livres si je garde ça chez nous. Ok. Problème. Je viens de me rendre compte qu'il faut une tasse de beurre fondu plus une demi-tasse pour le glaçage, puis il me reste juste ça. Fac. Je vais tout resserrer ça. Ouais. Mon cœur me dit « Oh mon Dieu, ça aurait été bon! » Ma tête a dit « C'est vraiment mieux de même, Steph, que t'as pas tout ce qu'il te faut pour faire la recette. » Ouais! Ben, ça va passer proche qu'on aille un gros dessert cochon pour souper. Yeah! Mais c'est ça. Parce qu'on achète presque pas de beurre. Fait que j'en ai comme pas en backup. Puis, déjà que cette brique de beurre-là, on l'avait coupée en deux, puis on avait congelé la moitié. Puis ça, c'est comme la deuxième partie. On avait déjà, j'en ai pas d'autres en congélateur non plus. Fait que. Puis ça me tente pas de fouiller pour un autre dessert. Puis, anyway, je suis sûre que mes parents vont avoir acheté quelque chose de leur côté. Fait que c'est pas la fin du monde. Je voulais juste leur faire plaisir, mais c'est pas grave. Fait que là, à la place, il est rendu bientôt 11h-20. Fait que je vais colorier un petit peu. Je sais plus c'est quoi je vous ai montré mon dernier vlog. Quel coloriage j'étais rendu. Je pense que je commençais ma double page. Là, je suis rendue là. Comme ici. Ouais, ouais, je l'avais montré. Je l'avais commencé. À date, là, je suis bien satisfaite, là. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que toutes les fleurs, je vais les faire dans des teintes de rose, fuchsia. Il va y avoir un petit peu d'orange, un petit peu de jaune aussi. Mais mon but, ce serait de ne pas mettre de mauve. Parce que j'ai mis beaucoup de mauve dans les autres avant. Fait que là, je voudrais vraiment y aller dans le rose. Puis, tu sais, c'était voulu là, que mes feuilles soient pas toutes pareilles. Pas toutes dans les mêmes tons de vert. J'ai mis du bleu aussi. Fait que je vais colorier un petit peu, j'ai le temps. Là, Eliott, lui, il est super tranquille là, sur... Oh my God, j'ai mal au coccyx. Sur le divan. Allô, Eliott, d'amour. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Pour être en forme? Oh, t'es tellement cute. T'es cute. T'es cute. C'est qui, lui? Panda. Bébé panda?
trop cute. Voyons, je peux quand même vous virer de bord. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, je vais colorier un petit peu. Après ça, Alex va arriver. Je vais aller faire dîner. Puis après ça, je vais aller me préparer. Ça passe pas, là. Je suis bien, là. Je flâne. Je suis en linge de gym parce que. J'aurais peut-être eu envie de m'entraîner ce matin, mais je pense que je vais prendre un petit break. Demain, Alex va aller patiner avec les enfants. Fait que je vais m'entraîner pendant qu'il va être parti patiner. Fait que c'est ça. Je vais aller colorier un petit peu. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai eu le temps de faire. Je sais pas, j'aurai le temps d'en faire bien gros. En tout cas, on verra. Bon, fait que là. Je me suis dit, tant qu'à colorier, je vais répondre à quelques petites questions sur, que je reçois souvent quand je mets des coloriages sur Instagram. Là, sérieux, je m'excuse là, pour mes cernes, là, je ne suis pas maquillée encore, vous l'avez deviné. Puis, c'est assez terrible. Wow, ok, bon. Ah, c'est un peu gênant. fait que dans le fond, j'ai reçu deux, trois fois la même question, c'est comment je fais pour choisir mes couleurs. Dans le fond, il y en a qui vont vraiment colorier comme ça. Tu vas dire, bon, je prends un rouge, je vais mettre du rose. Tout. Moi, je suis vraiment du genre à tester mes couleurs, tout trouver mes combos, puis j'y vais aimant par élément. Genre, je vais pas choisir toutes mes couleurs d'un coup. J'ai une idée quand je commence mon coloriage, mais je vais pas sortir mes crayons tout one shot. Comme là, ce que j'ai fait dans ce coloriage-là, j'ai tout fait. Ces feuilles-là en premier, après j'ai fait ces feuilles-là, tu sais, j'y vais vraiment élément par élément. Comme là, je vais commencer par mes petits bouquets. Enfin, ce petit bouquet-là, puis ce petit bouquet-là, je vais faire ceux-là en premier. Puis ceux-là, je vais les faire dans les teintes de rose dégradé orange. Fait que ce que je fais avant toute chose, c'est que j'ai un nuancier comme ça avec les couleurs, les deux marques de crayons que j'utilise le plus. Fait que si j'ai les marqueurs raffinés, que toutes les couleurs de marqueurs raffinés avec les numéros sont dessus. Puis ici, j'ai les Prismacolor, les Scolor, je ne sais pas. Les couleurs sont toutes là. Fait que là, je regarde, puis je visualise un peu ce que j'aimerais faire. Puis quand j'ai une idée de où est-ce que je m'en vais, ben là, je sors mes crayons. Puis je choisis les couleurs que je veux. Quand je fais un dégradé, je prends tout le temps une couleur pâle. Comme là, je vais prendre un rose très pâle. Après ça, je vais me choisir une couleur un petit peu plus foncée, un rose un petit peu plus foncé. Là, je veux du orange. Fait que je vais me prendre un orange. Puis après ça, je vais aller prendre ma couleur la plus foncée dans cette teinte-là. Donc, mon rose le plus foncé que j'ai pour venir faire les ombres ou ici, mettons, là, le creux là, les petits bouts. C'est comme ça, on voit, là, c'est plus foncé au bout, puis dans le fond. Bon, c'est ça. Je viens choisir la couleur la plus foncée, puis je viens toujours mettre aussi du noir par-dessus mon foncé. Aussi, la technique que j'utilise, c'est que je vais faire toute ma feuille au complet avec, pas ma feuille, mais ma fleur au complet avec mon rose pâle. Après ça, je vais venir mettre mon rose intermédiaire. Je vais venir compléter avec mon orange, puis je viens repasser avec mon rose foncé sur les bouts. Là, comme ça, c'est difficile à expliquer. Là, je vais choisir mes crayons, puis je vais vous faire une fleur. Je vais vous montrer à peu près comment je fais. Vraiment vite fait, là. Je vais vous faire une vidéo plus en détail. C'est juste comme pour en parler vite. Puis aussi, ce que j'utilise, qui m'aide vraiment beaucoup à faire des beaux dégradés, c'est mon blender. J'en ai parlé souvent. Lui, j'en ai l'utilisé entre ma couche la plus pâle, mon intermédiaire, puis mon orange. Je vais venir blender ça ici. Ça va tout mélanger mes couleurs, ça va faire super beau. Le petit rose foncé que j'ajoute à la fin, lui, je le blende pas parce que je veux qu'il reste vraiment foncé. Le noir non plus, je le blende pas parce que je veux qu'il reste vraiment à un certain point. Je veux pas l'étendre. Puis c'est ça. Fait que je vais choisir mes couleurs. Puis je vais vous montrer comment je fais ma feuille, ma fleur après. Puis pour choisir mes couleurs, j'utilise mon nuancier. Mais j'utilise aussi un carnet. Puis je viens comme tout. Je viens essayer mes combos, mes dégradés, voir pour être sûr que ça fonctionne bien ensemble. Comme ça. Fait que je choisis mes couleurs puis je vous montre ça. Bon, fait que j'ai commencé à faire ça ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais, fait que j'ai fait une petite pétale. Pour la faire, ce que j'ai pris un rose pâle comme ça. Après ça, j'ai pris un rose plus foncé. Un espèce de rose rouge, un orange et j'ai mon crayon noir ici encore. Donc là, j'ai commencé par colorier toute ma fleur avec mon rose le plus pâle ici. Après ça, je prends mon orange
Et je viens colorier le bas de ma pétale. La première couche, c'est pas grave si elle est pas super bien faite, puis si elle est pas full uniforme, c'est vraiment pas grave. Fait que là, on appuie plus fort au début, puis là, plus qu'on remonte, moins qu'on appuie fort. Le but, c'est vraiment que ça soit plus foncé en bas, puis plus pâle, puis on arrête comme à la moitié, on monte pas trop haut, là. Fait que rendu ici, là, il faut que ça soit très pâle, comme ça. Si c'est trop foncé rendu là, vous serez pas capable de mélanger vos deux couleurs. Fait que là, je prends mon rose plus foncé. Là, je fais la même chose, mais à partir du haut. Puis là, le but, c'est que les deux couleurs se croisent. Puis où ce qu'ils vont se croiser, bien, ça soit comme plus pâle, justement, pour que ça se mélange mieux. Fait que là, encore une fois, je pèse plus fort en haut. Puis là, plus que je descends, bien, là, moins je vais peser. Puis là, ça dépend, là, comment vous voulez faire votre pétale. Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de rose, plus d'orange? Moi, je veux vraiment que le rose soit dominant dans mon dessin. Fait que je veux pas qu'il y ait trop d'orange. Fait que dans ce temps-là, je vais descendre mon rose plus bas. Puis je vais monter mon orange moins haut. Je sais pas si c'est clair, là. Fait que là, rendu là, ici, je vais venir blender mes deux couleurs. Vous allez voir, ça fait tout de suite une différence. Mais peut-être que vous verrez pas, en fait, parce que je suis pas très bien placée, là, mais... En tout cas. Comme ça. Là, je trouve que... C'est un peu pâle, fait que je vais revenir repasser avec mon rose en appuyant un petit peu plus fort. Puis rendu proche de l'orange, je vais peser moins fort pour pas défaire mon dégradé. Comme ça. Puis je vais même le descendre ici un petit peu parce que, comme je vous disais, je veux qu'il y ait plus de rose que d'orange. Ensuite, je vais venir prendre mon rose rouge, là. Puis je vais venir faire juste le haut de ma pétale, puis je vais appuyer quand même assez fort parce que je veux que la couleur paraisse. Puis je la descends pas trop, là. Je veux vraiment que ce soit le haut, comme si je vais revenir repasser. Puis après, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre aussi dans le fond. J'aurais pu y aller avec un, mettons, un orange plus foncé pour venir faire le fond ici. Pas le fond, mais le bas de la pétale. Moi, sur l'autre pétale, j'ai juste... j'ai repris mon même rose rouge, puis je suis juste venue repasser sur mes petites lignes noires. Mais ça... à vous de voir. Puis je prends mon noir, puis je viens juste mettre un petit peu de noir dans le haut de ma pétale pour foncir le tout. Mais tu sais, je veux pas que ça soit, je veux pas qu'on voit que c'est noir, je veux que ça fasse juste une espèce de petite ombre. Fait que c'est ça, c'est sûr que ça donne. Attends un petit peu, là. Comme ça. Là, vous voyez ici, là, j'ai mis du noir, là, mais j'aurais pas dû. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Quand ça va être terminé, ça paraîtra pas qu'il y a du noir. Fait que là, vous voyez, là, j'ai du jaune, mais vraiment pas beaucoup. Du orange, je veux dire. Là, je me demande, je devrais pas venir mettre du orange foncé ici. Je sais pas. Je vais continuer, puis je vais voir ce que ça donne. Fait qu'en tout cas, ça vous donne une idée de comment je fais mes dégradés. Ça, c'est une façon parmi tant d'autres. En ce moment, c'est celle-là que j'utilise. Là, quelques semaines, c'est pas ça que je faisais. C'était une autre façon, mais ça vous donne une idée. Fait que c'est comme ça. Puis j'ai fonctionné de la même façon pour mes feuilles aussi. Je suis venue mettre une première couche de pâle, puis après j'ai placé mes couleurs plus foncées en mettant toujours les couleurs les plus foncées dans les extrémités pour faire de l'ombre. Ou ici, c'est le contraste, je l'ai mis dans le centre. Puis ceux-là, ben j'ai fait le tour, comme ça. Fait que voilà, c'est ça que ça donne. Bon, il est rendu 1h30. Finalement, Charlie va venir avec moi chez, ben avec nous chez... chez ma mère, parce que son amie a descendu, mais ils ont un souper de famille eux aussi. Mon Dieu. Allô? Eux aussi? Fait qu'ils vont souper ensemble. Fait que les filles vont jouer ensemble juste demain. Je voulais vous montrer exactement où est-ce que j'allais être assis au show de lutte. Hey, mes cheveux, là, sérieusement, je capote. Ils repoussent, comme je vous disais. Mais regardez. Fait que là, c'est ici, j'avais plus de cheveux, c'est en train de repousser. Sauf que. C'est quasiment impossible de les laisser juste parce que ils prennent comme plein de directions. Fait que là, j'ai hâte qu'ils soient tout correct. Mais en tout cas, hein, je ne survie plus, au moins j'en parle pas. C'est quoi je dis à mes amis? Ouais. Je voulais leur montrer où est-ce que je vais être assis à la lutte. Bon, regardez ça. Dans le fond, ici, tu as le stage. Ici, c'est le monde au parterre, mais le monde au parterre sont obligés de rester assis. Fait que au moins, tu sais, c'est déjà ça, là, t'as pas de monde devant toi. Là, ici, il y a comme personne. Puis nous, on se trouve à être dans cette section-là, rangée B, en plein milieu, rangée B.
Donc, on devrait voir directement sur le ring. Parce qu'on on va être comme un petit peu plus haut que les sièges du bas. Même quand même assez haut, vu qu'ici, il est supposé avoir comme une section. Mais en tout cas, elle avait l'air d'être fermée, la section. Mais anyway, c'est pas grave, vu que c'est comme en pente. Fait qu'on devrait être comme vis-à-vis le ring. Sinon, l'autre section, pour restant les prix qu'on voulait payer, était ici, juste à côté de l'entrée. Mais j'avais peur qu'on voit pas full bien. En tout cas, fait que j'ai demandé à une amie qui a déjà été plusieurs fois, puis elle me dit sans hésitation, la section 119. C'est drôle parce que dans le fond, la section ici, c'est le prix de ceux qui payent pour être assis comme en haut. Mais vu que je les ai achetés en pré-vente, ben c'est ça, j'étais chanceuse parce que j'ai pu avoir les billets plus bas. Et je suis vraiment contente. Et tout le monde. Puis là, moi, je vais manger ça. Parce que j'ai pas dîné. J'ai pas dîné parce que j'ai mangé quand même un gros déjeuner. Puis là, je vais avoir un petit peu faim. Fait que je vais faire un café. Je vais manger ça. Il essaie de l'ouvrir. On va partir d'ici vers 2h30. Il faut aller chez ma belle-mère parce qu'elle a acheté un petit quelque chose aux enfants pour la Saint-Valentin. Fait qu'on va aller là avant d'aller chez mes parents. Fait qu'en attendant, je vais continuer mon coloriage. Pour vrai, j'ai rien à faire vraiment en particulier. Ça se pourrait que je aille quand même chez la voisine en attendant qu'on parte. Alex, il est au gym. Après ça... Ah, pourquoi c'est long? Après ça, il va prendre sa douche. Fait que c'est ça. Charlie, elle a fait quoi, non, Charlie? Allô, Charlie. Bravo. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? L'ordi. Qu'est-ce que tu écoutes à l'ordi? Essaye pas de nous faire croire que t'es tranquille, pis que tu chiales jamais, là, que ta petite voix. Hey! Bon. Fait que. Wow. C'est pas mal ça! Wow. Je... Voyons. Ah, mon doigt était pris, hein? Parce que ta bouteille est là, Charlie, voyons. Mon doigt était pris dans le pot. Fait que ça va être pas mal ça, je pense. Je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé beaucoup ce matin. C'est ça. En tout cas, peut-être que je vais vlogger plus tard. Puis sinon, je vais voir ce que j'ai comme matériel pour un vlog. Puis sinon, je combinerai avec la journée de demain. Mais je pense que je vous ai parlé beaucoup de lutte aujourd'hui, donc je devrais être pas si pire. Ah non, mais sans blague. Il faut que je vous leur dise encore à quel point j'ai hâte d'aller à la lutte. Je capote. J'ai tellement hâte, là. Vous avez pas idée à quel point j'ai hâte. Puis là, demain, c'est... Il y a un pay-per-view de lutte demain soir que j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis, c'est ça.